qui avait galopé pour la première fois, puis c'est pas moi qui l'a vu. Je pète ma coche, je pogne mon petit gun, je le regarde, puis je fais comprendre que dans un film de cowboy, quand il y a un cheval qui a la patte de cassé, on n'a pas le choix de l'achever parce qu'il peut pas dormir couché. Tu vas t'étouffer avec ta cage thoracique, prends-le pas personnel. La peine d'amour pareil, le fusil tomba à terre, le cœur s'est coupé en deux. Je me suis retrouvé dans le corps du jeune homme de 35 ans que vous avez ici ce soir. À défaut d'être gentil, soyez poli. J'ai retrouvé ma voix. Je rentre chez nous, je fais « Maman, je m'en vais en appartement. » Mais une mère, hein, peut péter sa coche pour bien des affaires, mais quand l'heure est grave, l'instinct de Black Mama, elle a souri comme si de rien n'était. T'as juste fait. Puis moi, comme un grand dadais, je suis venu me mettre sur ses cuisses, puis elle m'a bercé de midi à minuit pour que je redevienne tout petit, son petit gars de 5 ans. Puis à chaque gorgée de verre de lait que j'avalais, bien, je rapetissais. Puis à minuit, elle est venue me border. Elle m'a mis une compresse d'eau froide. Elle m'a dit, t'as retrouvé ton corps de petit gars de 5 ans. Maman est contente. T'es presque guéri. Quand t'as sorti, clin d'œil entre l'Irlandais et l'Italienne, mon père, lui, a fini une ni deux. Il a pris le cheval. Il s'est mis sur le coin de rue. Montréal-Nord, Brilleur, coin en score. Quand le truck de vidange est passé aux petites heures du matin, je ne veux pas savoir si le cheval a traversé l'île de Montréal ou s'il a fini dans la gueule du truck de vidange. Ce que je sais, par contre, c'est que mon père m'aimait. Parce que tout de suite après, il était au Canadian Tire, qui m'a acheté une espèce de bicyclette orange électrique, pneu ballon, chopper. J'avais même le petit casque nazi de la Première Guerre mondiale avec une croix du Mont-Royal. Tout pour m'aider dans la vie. Puis quand ma mère le veut arriver, elle voit ça. Elle, dans sa tête, je vous dis pas qu'elle avait le concept, mais ça revenait à moi, elle dit « Oh, quel bel objet transitionnel! » Il a attaché ça. Et ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours. Quand la famille retrouvait son équilibre mental, elle a fait le chant du bonheur retrouvé. Et ce soir, j'aimerais vous faire entendre la voix de Black Mama. Ce n'est pas moi qui va chanter à l'instant. Je vais être possédé par la voix de ma mère à l'instant. Je vous demanderai un recueillement.